je suis choisie, l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la rencontre, c'est la gloire à Dieu. La gloire à Dieu, c'est la somme de tous ses attributs divins, ses qualités divines. On parle de la gloire au ciel, Dieu étant amour pur, il est don et il veut redonner la gloire que nous avions perdue de par la faute originelle. Et c'est par Jésus qui est venu prendre le péché. Il est ressuscité, il a un corps de gloire, et par lui, nous allons obtenir la résurrection, un corps de gloire, qui est donné en partage. Mais c'est toujours par les mérites de Dieu et non par nos mérites personnels. Pas faire comme Adam et Ève et désobéir et pécher par orgueil en voulant s'attribuer la gloire. La gloire appartient à Dieu, le Père, le Créateur de l'univers entier. On a glorifié Dieu pour toutes ses créatures, sa création, ses grandes œuvres. Le devoir de chaque être, c'est de glorifier. Le premier devoir, c'est ça. Alors, on va débuter les diapositives. Justement, un seul objectif dans les livres de Léandre, Jésus nous dit, dans le volume 1, message 92, un seul objectif, sa gloire à lui. Si tu acceptes tout, puis tu fais tout pour sa gloire. Dans le renoncement, dans la mortification, dans des fois la résignation, accepter que Dieu veut nous glorifier, puis il veut faire de nous des êtres ressuscités, puis il sait quel chemin qu'on doit prendre. Nous, on ne sait pas, on est des tout petits, puis on ne connaît rien, on ne sait rien, c'est le néant, on reconnaît notre néant, puis on reconnaît sa toute-puissance. Plus tu reconnais sa toute-puissance à l'œuvre, puis que plus tu reconnais ta petitesse, mais lui, sa puissance est agissante. Puis il nous conduit. Il nous conduit sur la bonne voie. Fait que si c'est pas... acceptons des fois que Dieu nous replace sur le bon chemin, puis faisons confiance en son agir tout-puissant. Alors, une des prières qu'on connaît bien, là, nous les catholiques, là, alors, le gloire à Dieu, là, dans la première partie du gloire à Dieu et là, dans la dernière partie du gloire à Dieu, on va la regarder ensemble. On ne va pas juste la lire, mais on va la prier. Cette prière, on te l'offre, Seigneur, en offrant gloire à Dieu, toi, au plus haut des cieux. Donne ta paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Oui, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, ta grande lumière, ta divinité, Seigneur. Fais-la éclater sur cette terre, en nous tous. Et dans la dernière partie, Seigneur, on te prie, car toi, Jésus, toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous t'offrons tous unis ensemble. Dans l'amour, dans une communion d'amour, on t'offre la gloire pour toi, Seigneur, parce que c'est un avantage. Plus on offre la gloire, plus la gloire va se répandre en lumière glorieuse sur nous tous. Dieu nous donne tout, Dieu veut nous partager tout.
On a à se reconnaître pécheur, on a avoué qu'on est pécheur, sans remettre par les mérites de Dieu en son Fils Jésus venu mourir sur la croix. Comme vendredi saint, c'est la mort de Jésus. Et dimanche, nous fêtons la Pâque, donc Jésus ressuscité. C'est parce que Dieu le Père a ressuscité Jésus que nous obtenons la résurrection par lui, avec lui et en lui. Alors, là, la prochaine, là, c'est toujours dans le volume 1, message 71, je pense que c'est ça. « Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ta grande miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Fais éclater ton amour, ton divin amour qui est saint et parfait. Oui, incarne ton amour en chacun de nous. Je te rends gloire pour ça et je te rends gloire aussi pour ta toute-puissance agissante, dont ton divin agir qui se manifeste en nous, à travers nous et à travers. C'est à travers les choisis, Dieu veut venir habiter notre humanité de sa divinité pour que lui, à travers les humains, qu'il puisse se révéler. J'ai regardé dans le dictionnaire, le Larousse, hein, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la gloire? La gloire, c'est la manifestation particulièrement de ces trois attributs. Majesté, la manifestation de sa majesté, qui est la gloire, la manifestation de sa puissance, qui est sa gloire, et la manifestation de sa sainteté, telle qu'elle se reflète dans ta création. Quel bel exemple, sa création dans la nature, comment qu'on voit déjà, j'ai un petit lit là en arrière de chez moi, puis j'ai regardé là, les petits bourgeons un matin, tous les jours, là, je vois le bourgeon veut éclater, là. Mais c'est un peu comme pour ressusciter tout le règne végétal là, qui va éclater en ce printemps au Québec, là, et dans bien des endroits sur la Terre, c'est la résurrection. Puis, la gloire de Dieu, là, c'est merveilleux. Elle se vit au ciel, mais Dieu veut, et Dieu va l'installer, sa gloire, sur cette terre. Il nous le dit, puis il dit, là, le temps est arrivé que son amour va circuler dans les cœurs sur cette terre. Il veut instaurer son royaume. C'est le temps, là, où on s'engage, là, on donne notre oui, on donne notre engagement à dire, quel choix je fais? Chacun, on a notre choix à faire. Quel côté? Si tu n'es pas du côté de Dieu, ben tu es de l'autre côté. Fait que Dieu, il veut nous sauver tous. Il veut qu'on lui donne notre oui. Il veut nous reconstruire. Il veut nous ressusciter. Il veut tellement qu'on se rapproche de lui puis qu'on se laisse conduire par lui. Il veut tellement ça, là. Il dit, le temps presse. Donnez-moi vos oui. Laissez-moi faire. Accueillez mon amour. Je vous déverse des grâces en multitude. Il descend et déverse des grâces à l'infini, dans une multitude. Mais on ne l'accueille pas. On n'accueille pas ces grâces. Ils sont déversés, ces grâces. Mais si on ne les accueille pas, c'est bien dommage, mais si on est rempli de peur, de dureté du cœur, si on est rempli de résistance, puis de crainte, ou de je m'en foutisse, là, bien, Dieu, il aura beau déverser sa gloire, elle ne rentre pas. Il faut l'absorber même. Accueille son amour, absorbe son amour pour répandre son amour. Puis c'est ça dans le petit message ici, là, Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers tes choisis, Seigneur. Fais en sorte que nous te donnons nos résistances, nous te donnons le manque d'abandon, le manque de foi. Seigneur, augmente notre foi, fortifie notre foi pour qu'on puisse s'abandonner davantage, pour l'accueillir, accueillir tes grâces, pour enfin que ta gloire, hâter la venue de ton royaume, hâter la venue de ta gloire en toutes les créatures et en toutes choses créées par amour pour nous.
on a à le remercier, glorifier Dieu, rendre grâce. Il y a grande grâce qui veut dire en réalité merci. Glorifier, c'est plus reconnaître que ça vient, sa gloire vient de sa source d'amour. Et l'origine de sa gloire, c'est lui, Dieu, le créateur de toutes choses, qui a tout créé. La source vient donc sa possession, c'est lui, la paternité. Donc nous, on a constamment à le glorifier, le remercier, donc lui rendre grâce, le louanger, le bénir, lui rendre hommage. Quoi. Alors dans la prière, là, merci, oui, Père, pour tant d'amour, pour ton amour divin, enflamme nos cœurs, pour que ton feu d'amour, feu, brûle dans les cœurs, dans tous nos cœurs, de nous les choisis. Tu nous as appelés, on t'a répondu oui, on te suit, puis mais touche les autres cœurs, touche les gens, nos proches, toute l'humanité, tous nos frères et sœurs, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. On te demande de manifester ta gloire d'une quelconque façon pour toucher les cœurs, pour sauver les âmes. Particulièrement les âmes en voie de perdition, Seigneur. On te remet cette unie à toutes les prières. On t'offre cette prière, Seigneur Dieu. On te l'offre, Seigneur Dieu. Puis on met notre confiance, notre foi que tu es un Dieu agissant et que dans l'invisible, une multitude de cœurs sont rejoints par ton divin amour qui s'incarne. Particulièrement en cette semaine sainte, en vue de la Pâque, de la résurrection, que nos vies ressuscitent. Tu veux ressusciter dans tous nos cœurs. Un des messages t'a indiqué, Seigneur, fais-le, fais-le. On se confie en toi. On met notre confiance en toi. Puis on aimerait être témoin de ton agir. Alors, la prochaine, Père, je te rends gloire. Oui, nous te rendons gloire de faire de nous des êtres d'amour. Des êtres d'amour, c'est par son divin amour qu'il s'incarne, qu'il s'active, qu'il produit des bienfaits en nous, autour de nous, à travers nous. Ton divin amour veut se manifester en nous tous. Ton divin amour, il est pur, il est saint, il est parfait. On aimerait tellement ça, que ça se fasse rapidement, Seigneur. Fais des miracles, fais de nous des êtres d'amour en plénitude et fais des miracles. Je te le demande, puis je suis certaine qu'on est plusieurs à te le demander. Arrête les guerres, arrête les divisions, sème, qu'on devienne des semeurs de gloire. Seigneur, fais de nous des semeurs de gloire, on te le demande. Père, tous unis, ensemble, nous te prions pour ta plus grande gloire et pour le salut du monde. Nous, tes enfants, Seigneur, Père, entends nos prières. On est tous unis en communion, en union de prière pour ta plus grande gloire, Seigneur. Qu'elle éclate ta gloire, celle qui est au ciel, qu'elle se répande ici sur la terre, en nous tous, pour ta gloire, mais pour le salut du monde entier. Que ma petite prière, unie à toutes les prières des gens, là, t'es choisi, Seigneur, fais en sorte de régner le plus tôt possible, hâter la venue de ton royaume sur cette terre. Il dit un des messages aussi, il dit, tu acceptes d'être utilisé ou retiré pour sa gloire. On ne se sent pas capable d'œuvrer pour lui. On se sent tout petit. On reconnaît notre néant, on reconnaît notre incapacité à se sauver, à être des êtres d'amour. S'il nous retire ou s'il nous utilise, c'est toujours en correspondance à sa volonté. Puis acceptons, s'il fait appel à nous, c'est un oui. Puis s'il fait appel à nous pour autre chose et nous retire, c'est un oui. Soyons à l'écoute,
en obéissance, docile à ses inspirations et correspondre donc à ces inspirations qu'il déverse en nous. Donc, à l'écoute, très attentif à ce que Dieu demande pour chacun de nous qui est différent selon nos qualités, selon les charismes qu'il nous donne. Père, je te rends gloire. Une autre prière que nous faisons tous ensemble. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle que tu reconstruis à travers tes choisis. Merci Seigneur de faire de cette société actuelle une société nouvelle, renouvelée par tout ce qui t'appartient de beau, de bien, de grand. Toi, tu es omnipotent, omniscient, omniprésent, Seigneur. Tu sais tout, tu vois tout. Alors, et tu es présent partout, Seigneur. Fais, entre autres, de cette fondation des choisis un lieu où ta gloire va pouvoir éclater aussi. Tu es tout puissant. Alors, mets ta main agissante, puis que des divines réalisations soient ce qui s'accomplisse à travers ces lives, à travers les livres, à travers les enseignements, Seigneur. Fais éclater ça, puis tous les mouvements qui sont tes mouvements, qui sont tes divines réalisations, Seigneur. Fais éclater ça, Seigneur, sur la terre. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses sur tes choisis. Le flot de grâce, là, c'est des vies divines de sagesse, de sainteté, de paix, de joie. Un flot de grâce, ça peut être même son amour directement. Si tu as besoin de patience, ça va être de la patience. Tu as besoin de force, ça va être de la force. Dieu, il connaît tout. Il sait tout quels sont nos besoins. Puis il répond en déversant des grâces, même des flots de grâces spécialement pour chacun. Dieu, il sait tout, puis c'est un créateur. Dieu le Père, il est créateur. Alors, son bonheur, c'est de créer le bien. Alors, accueillons toutes ces bontés. Tu acceptes de te laisser maîtriser par l'amour pour sa gloire. Oui, maîtrise, Seigneur, nos caractères, maîtrise, c'est ça, nos comportements. Fais en sorte qu'on coupe les attaches à tout ce qui nuit dans notre cheminement pour qu'on prenne l'autoroute vers toi et non des chemins, des détours. On perd tellement de temps à des futilités, on perd tellement de temps à des choses qui sont sans importance. Puis Dieu dit, le temps est à la prière. Alors, mettons-nous en prière, surtout, Pâques, c'est pas parce que c'est la semaine 5, c'est Pâques qu'il faut se mettre en prière. Non, on va se mettre en prière tous les jours, parce que les mérites de Jésus, là, on a à glorifier ça à tous les jours, parce qu'il nous donne une vie éternellement dans un bonheur infini par les mérites de Jésus. Jésus, il a pris la faute, la condamnation qu'on méritait. Il l'a vécu. Il s'est imputé la justice de Dieu. Il a pris donc notre erreur de savoir penser glorieux. Puis oui, Seigneur Jésus, tu veux faire de nous d'autres petits Jésus, donc avec ton caractère, ton tempérament. Tu veux faire de nous un être à ton image et à ta ressemblance, comme on était avant la faute. Tu veux nous redonner tous les bienfaits qu'on possédait avant la faute, il veut nous les redonner. Mettons notre foi en Jésus. Quand tu mets ta foi en Jésus, Dieu commence ta transformation, puis Dieu opère tranquillement et installe ses vies divines de sainteté, de sagesse, de ses attributs divins, de ses vies divines en nous. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Son Église est renouvelée, là. C'est sûr et certain, ça, même si elle tombe en ruine. Elle tombe en ruine, pourquoi? Parce qu'elle est reconstruite. Parce que les gens qui vont s'engager dans la foi de Jésus, c'est un engagement
long terme là, et durable. C'est pas juste pour parce que le voisin va en est, on va en est. Non, non. Maintenant, les gens qui ont dit oui à Dieu, ils s'engagent, puis l'engagement est ferme. Alors, n'hésitons pas à donner notre oui, un engagement formel. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Dieu parachève, il termine, il achève l'œuvre de la création pour nous redonner notre beauté originelle. Faire de nous, c'est ça, un être divinisé comme on était avant la faute. Il veut tellement ça. C'est nous qui... On dirait qu'on est dans le néant, là, vraiment, mais mon doux, on regarde la Bible, on regarde les enseignements de Jésus, on regarde... Dieu, il veut tellement là, qu'on lui donne notre oui parce qu'il ne s'impose pas, il respecte la liberté de chacun. Attends. J'accueille tes remerciements. Ah, merci Seigneur. Oui, Jésus dit, quand on le remercie, on le glorifie, tout ça. Il dit, j'accueille tes remerciements en les offrant au Père pour sa gloire. Merci Seigneur, oui. Prends toutes les prières de chacun là, qu'on fait aujourd'hui, là. Seigneur Jésus, tous ces merci-là, là, glorifiez le Seigneur. Va porter ça au Père pour que le Père puisse faire éclater sa gloire en nous tous. Il y a une religieuse ici à la cathédrale qui m'avait dit cette phrase-là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une chanson, c'est écrit aussi dans la Bible, là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La croire en Jésus ressuscité qui nous ressuscite pour nous conduire dans le royaume de gloire du Dieu Tout-Puissant. Pour l'éternité dans un bonheur infini. N'hésitons pas à croire parce que c'est payant pour nous. Oui, la prochaine diapositive, oui, on a à rendre gloire. C'est notre devoir de chaque créature, chaque personne créée par Dieu. On a à glorifier le Père, le Créateur, qui est le Créateur. On a à glorifier le Fils, qui est le Rédempteur et Sauveur. On a glorifié le Saint-Esprit qui est le sanctificateur qui nous apporte la sainteté. Puis on entre dans l'œuvre de la sainteté. Là. Il est très agissant, le Saint-Esprit. La dernière, ben, justement, c'est dans les livres de Léandre, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, que je suis allée chercher les messages qui parlaient de la gloire de Dieu. On a tellement à garder espoir, mais on a participé à tout le renouvellement de ses œuvres, puis d'accueillir l'Esprit-Saint, de demander à l'Esprit-Saint, « Viens Seigneur, fais descendre ton Esprit-Saint, les lumières de ton Esprit, pour envahir notre esprit, pour que notre esprit devienne le tien, puis que notre cœur devienne le tien, puis que notre humanité devienne ta divinité en chacun de nous. » Alors, c'est le résumé dans les livres de Léandre, les trois volumes sur la gloire de Dieu. Concernant les messages, Frances, bonjour. Merci Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie pour ton immense amour. L'amour de Dieu, c'est pas un amour humain, hein. On sait bien que c'est un amour divin, là. Puis dans l'amour divin de Dieu, là, il y a toutes ces qualités divines, ces attributs divins. Alors, merci Seigneur. Oui, je me joins à la prière de remerciement. Effectivement, on te rend grâce. On te rend grâce pour toutes tes bontés, ton divin amour qui circule entre nous de plus en plus. Caroline, bonjour. Amen. Le printemps, oui, magnifique et donne l'espérance. La nature qui s'éveille, qui ressuscite, c'est tellement à l'image de la résurrection. On ne peut pas, me semble, nier
que Dieu existe. On a juste à regarder comme, mettons, une fleur, comme les pommiers. Il a créé les pommiers. Puis ça fait des petits bourgeons, après ça, des petites feuilles, après ça, ça fait des petits fruits. Il nous donne des fruits à travers le règne végétal. C'est juste le règne végétal, mais là, il y a toute autre chose. Là, tout... Dieu, là, on a remercié pour toute créature créée et pour toute chose créée en ce monde, dans l'invisible comme dans l'invisible. On a rendre grâce. Caroline, amen, fortifie-moi. Fortifie-nous tous pour accompagner ceux qui te cherchent, ceux qui sont tombés, ceux qui sont malades ou qui désespèrent. Seigneur, rejoins la multitude de gens qui sont en détresse, qui s'en sont éloignés de toi, qui se sentent désespérés. Je m'unis à Caroline dans la prière, Seigneur. Reçois cette prière, Seigneur Jésus. Divinise la prière, recrée la prière, fais-la comme il faut, puis va la porter au Père pour que des fruits, des divins fruits se répandent dans ces cœurs-là, des gens qui sont dans le désespoir. Effectivement, on a prié pour eux. Oui. Alors, comme autre message, bonsoir, choisi de Jésus de Bernadette Valentin. C'est un beau nom. Valentin, Saint-Valentin, c'est un des saints, ça, à la Saint-Valentin, mais il existe. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres petits messages. Plutôt des bonsoirs. Ah, ben des bonsoirs. Chantal, bonsoir. Caroline aussi, oui, bonsoir. Merci de vos bonsoirs. Daniela, oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Moi ici, il est midi, il est 1 heure. Bonjour les choisis, merci beaucoup. Vous êtes tous fins, je vous aime beaucoup, puis je vous apprécie. Puis moi aussi, je me joins à vous autres pour glorifier le Père. Amen au Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Il est venu sur la terre, vivre, prendre toutes nos fautes. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner la gloire éternellement. Alors, ça résume la rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite un beau dimanche de Pâques. Je vous souhaite une vie ressuscitée. Que vous goûtiez à la gloire, des lumières de gloire, pour rejoindre vos cœurs, que Dieu s'établisse en vous, qu'il règne en vous, que son royaume s'instaure pour qu'on soit tous heureux sur cette terre, bénis et aimés. Alors, merci beaucoup de votre présence, puis on vous dit à une prochaine, puis je vous embrasse. À bientôt. Je suis choisie, l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur. Parce que l'amour même, je deviens. Je deviens